ça la voyage à Bongo. Là, on a eu quoi si tu prends ta voyage à Bongo. Yeah! Tu as jamais de mon coup, quoi. Ah, ma lille, mon coup est assis. Oh, le brouillard. Brouillard. Alors notable, tu peux nous dire on est où, on va où? Bon, là où nous sommes arrivés à Mukingi. Mm-hmm. Nous avions laissé la rivière Mukingi. On est rentré dans l'embouchure, le Mboa. C'était presque 18h. Là où nous allons à Mboa, domicile à Mboa, pour que vous preniez votre véhicule aujourd'hui pour Kola. Mm-hmm. Et si à l'occasion, vous allez juste à Wissou. À Wissou. Oui. Okay. Pour prendre le moyen du Brazzaville demain matin. Et, du Nord.
le voyage, comment ça a été de Matoko jusqu'à Mukengi? Bon, nous avions effectué notre voyage. En tout cas, comme il n'y a pas d'embuscade au cours de route, j'ai constaté que le voyage a été bien, est bien passé. On a poussé des pirogues. Hein, dans oui, à l'entrée de l'embouchure de bois, on a poussé la pirogue parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. L'eau a baissé. L'eau a baissé. Généralement, on pousse les voitures, maintenant on a poussé la pirogue dans l'eau. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est les saisons qui changent. Auparavant, ce n'était pas ça. Changement climatique ou c'est seulement la saison? Changement climatique. Oui. Beaucoup de sable dans les rivières. Beaucoup de sable. Le sable là où nous constatons qu'il y a, le sable, les bancs de sable. Auparavant, parfois, il n'y en avait pas. Ça ne sait qu'il est sorti, ça augmente. On ne sait pas, peut-être à la longue, ça fera qu'au moins, on ne sait pas. Peut-être on sera bloqué là. C'est en train de négocier l'État congolais nous faire de voir. Ou on marchera à pied. À pied ou par voiture. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent venir voir le lac Télé? Pour constater. Non, les conseils que tu veux donner aux gens qui veulent venir voir le lac Télé. Les conseils que je vais donner aux gens qui viennent voir le lac Télé, comme les touristes. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous pouvez les encourager, parce que c'est un milieu à qui il faut qu'un tourisme soit... à mesure d'arriver là-bas pour qu'ils voient ce qui se passe là-bas. Oui, c'est important pour les touristes parce qu'un jour, ils peuvent voir que, bon, on peut avoir un bonheur ici et il arrange les conditions d'aller jusque là-bas. Et c'est là que ça va attirer aux touristes de rentrer jusque là-bas. Il y a ceux qui sont à Brazza, qui n'ont jamais vu le lac. Ils seront contraints de... Quand ils sauront qu'il y a la route est passée, il y a certains là qui ont l'écho. La route là, vraiment, c'est pas bon. Maintenant, quand ils sauront que la route est maintenant tracée, c'est là qu'ils auront l'idée de venir voir le lac Télé. Ok, merci beaucoup. Là, il est 6h. 5h. Oui, il faut avoir raison. Beaucoup de brouillard. Botte. Oui, de moto. Voilà, comme vous le constatez, c'est le lever du jour. Nous avons dormi ici, nous sommes sur notre chemin de retour, mais on continue toujours avec le tourisme. Là, nous allons à Pokola vers Wesso. Nous allons séjourner chez les pygmées, toujours dans la forêt. Là, vous pouvez constater tout autour de nous. Ici, nous sommes vraiment dans
la grande forêt dans un village qu'on appelle Mokengi. Nous rentrons dans un canal, voilà. Et là, le canal qui va nous emmener en bois. Un village où nous allons prendre un véhicule qui va nous accompagner vers Pokola Weso. Nous sortons vers la civilisation en fait, voilà. Voilà la rivière, nous sommes venus de là hier soir. L'eau a séché, donc même la pirogue a du mal à naviguer sur la rivière. Voilà notre matelot, qui s'appelle Van, en train de faire son petit bain matinal. Un autre pirogue. Bolivar, Malilia. Malilia, ça a bien, bien, bien. Et ça a bien été. Malili. Et ça a bien été. Et ça a bien été. Ça a bien été. Et ça l'engue ça. Et l'engue ça bien. Mais ça y est. Là, son petit gars est mal lui, mais. Et c'est un babien en tout cas. Attends, mal lui, il est amiguité. Pourquoi peut-être la mouque en retard? Ben, il y a la mouque qui. En retard, ben, il y a la mouque qui 5 heures à bout, la socole n'est pas là. Bon. Omota ko luko luka o. Oko luka? Hein? Toilet is here. Toilet.